19h, et ça repart! Un nouveau The Big Game of Ski! Et quoi de mieux qu'une bonne ration de boulettes pour étoffer culture, savoir et réflexe? Surtout que là, ben, j'ai une pas très bonne nouvelle pour vous, puisqu'on retourne carrément en 1987. Alors, c'est pas la pire des années pour du shmup, hein. En général, là où il faut commencer à se méfier vraiment, c'est qu'on descend en dessous de 85-84, quoi. Là oui, il y a du tendu, il y a du raid, il y a du rush. Ça peut faire mal tant aux yeux qu'aux réflexes. C'est limite jouable parfois. Et aujourd'hui, on tombe sur un jeu qui va être assez surprenant, puisque je l'ai lancé pour voir la tête que ça avait, vu que j'ignorais totalement ce que j'abordais. Et on pourrait le résumer comme un Galaga à gros boobs. Vivi. Et vous allez le voir rien que sur le premier niveau, quoi. On essaye déjà de vous déconcentrer alors que vous, naïvement, vous êtes là pour exterminer l'invasion alien et la repousser le plus loin possible dans le cosmos. Toujours la réverbe. Mais beaucoup de blabla, si on allait voir ce qui se trame à l'intérieur. J'ai fait qu'une minute douze sur le compteur. Je surfeuille des fois que ce soit un très mauvais titre. On sait jamais. Je commence à avoir peur des fois. Alors, en régie, on me dit qu'on n'a pas le retour du jeu, mais c'est à peu près normal, parce que je ne l'ai pas affiché en fait, pour être totalement honnête. Hein. Et là, ça va aller beaucoup mieux, vous allez voir. Regardez-moi ces effets spéciaux de 1987. Bon, c'est la période où on commence à avoir quand même des graphismes 16, voire des fois, par miracle, on peut monter à 32 couleurs sur certains systèmes, mais bon. Et regardez ce qu'ils vous envoient. Des meufs qui vous font des strips. Vous déconcentrez pendant que vous prenez des boulettes et elles ont bien des énormes boobs. Comme quoi, j'ai pas menti, c'est pas des ailes quoi. Serait-on gratifié d'une seconde démo? Ce serait trop le bonheur. Non, je ne fais pas durer. Ah, regardez-moi ça! Le syndrome Space Harrier. D'accord, donc je dois m'attendre à un gameplay variable. Je suis devenu du coup très très curieux comme vous et j'aimerais savoir si de surcroît le jeu est jouable. Qu'attendons-nous? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que je risque de ne pas avoir de son. Ce serait triste. Si, vous avez le son, ouh, ça commence direct avec la princesse Leia qui a bouffé du steak de lézard et qui est super vénère. D'accord, phase 3D. You want to play this with me? Ok. Ah, puis elles reviennent plus nombreuses chaque fois, là, il y en a 3. Oui, bah je me suis fait quicher forcément, 3 contraintes, t'as vu ça, c'est dégueulasse. Je pense que pour la jouabilité, on est un peu mal barré. Apparemment, vous avez le son au taquet, on me dit en régie. C'est pas grave, je vais hurler un peu, ça ira super bien avec. Je vais être super bien m'en sortir. Comment ça, c'est pas ce que vous avez à l'image? On vous ment, on vous spolie. Ah d'accord, j'ai pas le droit de tirer pendant qu'ils arrivent. Ok. Je ne tirerai pas. Mais si je tire jamais, comment je me défends? Ah non, c'était l'autre bouton. Oh putain. Les gars, change de tir. Change le bouton de tir d'un tableau à l'autre. Si ça, c'est pas de la grosse qualité. Bon, apparemment, les donzelles ont pas trop envie de se faire détruire. Donc, mieux vaut que je les repousse pour mieux anéantir leur horde, leur cohorte de fraises mutantes. Non, c'est des framboises, on me dit en régie. Putain. Faut pas me dire des trucs comme ça, moi. Je marche. Après, plus jamais de ma vie, je vais vouloir prendre des framboises. Toi, tu remontes. Oui, je voulais pas savoir en quoi tu te transformes. Est-ce que ce jeu est validé déjà? Non, surtout pas. C'est pas parce que. Non. 87 et 87, il y avait quand même largement mieux ailleurs. 87, on faisait des shooters horizontaux, en particulier très très bons. Pensez à R-Type et compagnie. Ouh là là, je peux continuer parce que ça avait l'air trop bien. Oui, j'ai marqué mon nom. Yatta! Tu ne connaissais pas le mode continue. Toi, t'avais envie d'engranger de la thune. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon, cette fois, je vais jouer comme un padieu. Padieu, en deux mots.
Je vais laisser mes yeux au vestiaire. Hop, purée, ils vont me faire la misère. Donne-moi le power avant qu'elles arrivent, tête de Nox. Keep zen, keep zen, keep zen, keep zen. Tu es le dernier Starfighter, rappelle-toi. Comment je les ai bien feintés, les meufs. Alors, j'ai pas compris pourquoi ça avait changé mon bouton de tir sur la partie précédente. Mais je... Non bullshit, là ça vient de changer. D'accord. Donc là, j'ai plus que les missiles. Fini le piou-piou-piou. Piou-piou-piou is dead. Cassez-vous, les framboises. Ça suffit, quoi. Il me veut quoi, lui. Mais t'as vu comme t'es moche. T'as vu tes couleurs. On dirait que t'es sorti de Sesame Street. Oui, bah c'est parce que j'avais envie de vous laisser un peu gagner. Vous me faisiez de la peine, les gars. Piu, piu, piu. Let's go, gun. Non, non, j'ai vraiment plus que ces missiles, là, con. Ah, elles crèvent quand même au bout d'un moment. Je vais me les faire en priorité parce qu'elles ont pas l'air très, très sympas. Quoique, pas grand monde est sympa, en fait, sur cet écran. Je regarde désespérément le chrono du stream. On a passé les 6 minutes. Je suis l'homme le plus heureux de cette planète. Et des deux dimensions adjacentes. Yeah, revenez les cocos. Oh non, on va pas jouer à ça. Non, 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 non. J'ai qu'un missile à chaque fois, bande de cons. Va. C'est ça. Oh. Ah, il y avait des petites idées quand même. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas un continu, parce que j'aurais bien été voir après s'il y avait encore d'autres idées. Allez, quiche. On n'est pas sorti, mon pote. Quiche. Là, je pense que... Non, ça c'était pas un truc à faire, monsieur. Ça n'amuse personne. Non, il n'est pas sélectionné. Non, 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 non. Sky Fox va rester dans les trucs étranges et venus d'ailleurs. J'ai son flyer d'ailleurs. Oui, voilà. Donc voilà. Un Space Anything. Parce que dedans, il y a du Galaga. Il y a du Space Arrière. Il y a du... Je sais pas. Si je continue plus loin, ça se trouve, il y a du Gradius. Hein. Donc, c'est un Space Bâtard, en fait. Ça aurait été parfait comme nom pour lui, plutôt que Sky Fox, quoi. Avec cette repompe à peine inspirée de Metal Hurlant, le dessin animé original génial. Enfin, qui a dû quand même prendre des rides. Mais voilà. Donc, tu n'es pas validé, mon pauvre. On va te mettre, par contre, avec un grand plaisir à la malle, tout au grenier. Parce que tu mérites quand même d'être conservé, t'avais quand même un pôle d'idées, quoi, on va dire. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, la généraliste, celle des shmup, et aujourd'hui c'est fête, stream surprise. Choui. À demain 19h.